Ça fait longtemps, Benjamin. Qu'on n'a pas fait ce geste. Qu'on n'a pas fait de vidéo tous les deux là comme ça. Mais bien évidemment, ça faisait longtemps et les gens le demandaient. Ouais, moi j'ai regardé CNews l'autre fois et vraiment des manifestations. CNews. Oui, oui, place de la République. Vidéo Pascal. Tous les samedis là. On a fait plein de thèmes qui nous ont fait rire avec des analyses de photos, on aime bien ça. Et on a décidé aujourd'hui de réagir aux panneaux, aux signalisations qui parfois sont totalement absurdes. Et du gros fail. Et du non-sens. C'est le champ lexical du n'importe quoi. Pas mal de synonymes. Est-ce qu'on partirait pas tout de suite? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Bah écoute, moi ça m'a fait plaisir en tout cas. Toujours un... Moi je suis vraiment en face, hein. Ciao. On est au début de la vidéo, là. Ok, il veut quand même faire la vidéo. Le gars est fou. Ok, c'est parti. Alors, moi je les connais pas, tu les connais? Bah, absolument pas, puisqu'on les découvre. Et la caméra n'est pas du tout là, en fait. Attention, mais t'as un tout petit peu. Ok, voilà. Les découvre. Il y a un accident, quoi qu'il arrive. Tout est interdit, ouais. Sauf transfert de fond. Les triplés sont interdits, hein. Des gens qui disent ne faites pas de triplé. Il y a quand même des triplés avec une qui est beaucoup plus petite que les autres. Il y a interdit de tourner de tous les côtés, interdit de stationner. Même la piétonne derrière avec son sac, je pense qu'elle n'est pas légale. Je suis encore sur le triplé. Un triplé totalement raté. En fait, on fait une vidéo fail de triplé. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire du coup? Porter plainte contre l'État. Tu peux quand même à droite de 14h à 19h. T'as le droit de tourner. Grosse liberté. Ce que je comprends pas en plus, c'est que derrière, alors que tout est interdit, il y a quand même 50 mètres loin un panneau stop. La voiture qui est garée là, la Twingo, elle s'est mise 200 euros d'amende vu tout ce qu'elle brave comme interdit là. Photo suivante. Aïe 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 aïe. Il y a les deux sur moi, la même zone. Moi ça me choque, franchement. Les abattoirs. Une Renault à 58 000 euros, ça me. Vraiment. Il y a la clim. 58 000 euros. Abattoir, maison de retraite. Pas se tromper quoi. Ouais. Si vous emmenez mémé, faut pas. Il y a un virage à prendre. Alors. T'as pas le droit, mais t'as le droit de plonger. Peut-être que t'as pas le droit au-dessus de cette hauteur. T'as le droit au premier plongeon et t'as pas le droit au deuxième. Et c'est quoi en dessous? C'est les chiens? Ouais, c'est interdit aux chiens. C'est un rapport? Pas le droit de plonger sur les chiens. Les chiens ont pas le droit de plonger. Enfin, il faudrait qu'ils comprennent le panneau. C'est pour ça qu'il y en a deux. Peut-être un pour les humains. Un pour les chiens. T'as pas le droit de plonger comme ça aussi. Interdit de faire Naruto quand il court. Ouais. Je sais pas. Je le mets dans le studio celui-là. Celui-là, tu le commandes, tu le mets là. Les rochers ne tombent pas sur ta voiture, par contre. Les vaches. Les vaches, ça tombe directement sur la carrosserie. Et bien, c'est que la vache n'a pas du tout l'air affolée. Non, elle, bien sûr. Elle tombe en plat sur le dos. Et en plus, elle tente quand même un salto. Hein. Il y a un menhir, c'est au parc Astérix, non? Non, mais il y a des vaches qui tombent. Ils ont pas mis un enclos à un moment surtout, donné. Regarde la forme du rocher, la vache n'a jamais eu l'occasion de vivre là. On dirait Bibi et le coyote. Mais c'est quand même la pire excuse, c'est que t'arrives en retard ouais. À ton rendez-vous. J'ai dû ralentir, j'ai vu une vache. Vous m'en croirez jamais. J'ai réussi à esquiver les rochers, mais là. Vache sur la Renault, quoi. Route de l'angoisse. Route de l'angoisse, mais tu n'as aucune priorité à laisser. Faut foncer quand t'es sur la route de l'angoisse. Parce que ça, c'est la route où il y a la Dame Blanche, certainement. Est-ce que t'as déjà eu peur de la Dame Blanche? Pas du tout. D'accord, enfin d'anecdote du coup. Je crois qu'en général, si tu la rencontres, ça veut dire que t'as un accident juste après. Toi tu conduis pas. Je conduis pas. T'as pas le permis, tu te fais faire tirer suite à... On arrête les anecdotes. Et en vrai, moi je conduis, j'ai conduit quand j'étais... J'étais enfant en fait, c'est bizarre même. J'ai conduit quand j'étais enfant. Non, je t'ai conduit à partir de 18 ans, et j'étais sur des routes de campagne, puisque la Lorraine... Et tout seul, des fois, ça fait flipper. Et t'as rencontré ou pas là? Parce que non, là, j'ai pas rencontré. On est pas sur les anecdotes. Est-ce que t'as déjà conduit en Lorraine? Là, c'est. Tu l'as non, déjà rencontré ou pas? J'ai pas rencontré, mais je comprends. En fait, la Dame Blanche, c'est une hallucination des gens. Non, en fait, la Dame Blanche, c'est le fantôme d'une fille qui a eu un accident au virage d'après. Si je dis pas de bêtises, hein, vous mettez en commentaire si j'ai des bêtises. Vous mettez pas ça en commentaire, vous mettez super vidéo, je vous adore. Ah oui. Ça, vous mettez pas, on s'en bon, Dame Blanche. Et en fait, si tu la croises, le chauffeur, à un moment donné, elle est à côté, elle est dans la voiture, et ensuite, t'as un accident, parce que quand t'as peur, tu la vois, et t'as l'accident. À l'endroit même où la femme, elle le fantôme, elle est morte il y a je ne sais pas combien d'années. Elle peut pas juste mettre des fleurs à l'arbre plutôt que faire tout le truc là? Peut-être que, je sais pas, elle veut se venger. Moi j'ai vu ça dans l'émission Mystère sur TF1 à l'époque où j'étais tout petit. Fais gaffe, parle plus de télé sur ma chaîne parce que ça se fait. Striguer. Bonjour aux habitants aussi, hein, t'habites où? Angoisse. C'est quoi le nom de l'habitant? Je suis angoissé. Ah, bah oui, c'est un angoissé. Bonjour aux angoissés. Foyer des jeunes travailleurs. C'est le même un peu qu'abattoir et retraité, sauf que là c'est quelques années avant. C'est certainement dans la ville d'angoissé. Je sens le fake, excuse-moi Pierre, je suis un petit peu spécialiste dans tout ce qui est panneau. Ça peut sentir le fake, ou alors c'est un bar ou un parc qui a un espace, tu vois, ouvert, qui a voulu montrer tout ce qui était interdit et il a pas fait gaffe à comment il avait mis. Donc en fait, on est sur un mauvais graphiste. Ah, mais c'est ça, pas le droit de venir boire dans le parc, pas le droit de fumer, pas le droit au chien, pas le droit au skateboard, ça se tient. Sauf que lui, il a tout mis dessus. Le chien, il vit sa meilleure vie là. Le chien, il vit tout ce que j'ai envie de faire, même à l'heure actuelle. De l'alcool, des pets, du skate. Et il est trop bien en fait. Mais il a pas le droit de venir. C'est quoi? C'est un feu rouge, ouais. Mais heureusement qu'il y a le feu rouge, puisque de toute façon, juste après, il y a la mort. Une falaise? Ah non! Ou c'est peut-être c'est un... la mer, non? Ou ça se trouve, c'est des champs. C'est la mort. C'est la fin du monde. Comment s'appellent les mecs qui ont la théorie de la terre plate? Les platistes. Ou les platistes, ouais. Les pratistes. Non, les praticiens, les chirurgiens plastiques. Rien à voir. Ça confirme leur théorie. Et en plus, ils vont te dire pourquoi on nous empêche de passer. Et alors, pourquoi il y a du brouillard là? Alors qu'il fait beau derrière. En fait, c'est l'univers. Oh là là! C'est un double rond-point. Là, honnêtement, pour moi, c'est un signe sataniste. Je vois pas autre chose. Bah, soit encore une fois, c'est la fin du monde et on te prévient qu'il faut faire demi-tour. Tu sais, c'est les jeux quand on est
j'étais petit, il a fallu relier les labyrinthes sur Picsou. Où c'est un snack qui est très très fort. Et tout ça en 40 km/h quand même, qui me paraît très élevé pour la complexité du chemin. Panneau suivant. Ah, là on est pas sur un panneau. Alors là, par contre, pour question de sécurité, faut pas le faire quoi. Même en low cost, même si le billet est vraiment pas cher. J'ai des billets Paris-Nantes, 8 euros. Et on part à 10h, hein. Y a même pas de délire, on part à 6h du matin. Et je crois qu'ils vont même jusqu'à New York. C'est un truc de fou. Attention, oh là là, travaux sur l'avenue Jean. Médecin, j'essaie vraiment de faire le labyrinthe. Tu pars de la place Masséna, de la chaussée se rétrécit pour aller au CHU ou à la gare SNCF. La gare SNCF, elle-même, la route est en pointillé. Oh, c'est un jeu vidéo. En fait, c'est un méchant à chaque fois. Final. Ici, t'as Bowser juste avant la livraison et après, t'as 200 interdits avant de pouvoir partir. En fait, c'est Victor Hugo le méchant à la fin. Regarde, derrière le panneau, on voit que ça commence un peu déjà compliqué. Il y a des échafaudages au milieu de la route. Ah oui, parce que le panneau, déjà, tu peux le passer que si ton véhicule fait moins d'1m20. C'est pour des piétons. Alors, place des droits de l'homme, attache aux boules. C'est beau, là, encore une fois, on est sur quelque chose de plus textuel. Sexuel ou textuel? Textuel. Pardon. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une pétition organisée par Jean-Pierre Foucault pour les droits de la pétanque. Il défend la pétanque pour que ce soit au JO. Pour qui ne s'est pas retrouvé devant l'équipe 21 en train de regarder de la pétanque en mangeant des pâtes au pesto. Et en train de se dire, ce serait quand même cool qu'il y ait des méga stars, qu'il y ait des vraies soirées le mercredi soir au lieu de faire la Ligue des Champions. Le Roger Santini, au carreau, une légende. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Bah oui, parce qu'il y a la moto en face. Je suis censé être un piéton, une voiture déjà. Avec quand même une petite tombe sur le fond de la photo. La dame blanche derrière le panneau. C'est ces vannes qu'on aime. Très très gros panneau. Le panneau. Bah là j'ai même pas compris. Escalier qui monte, qui descend. Alors je connais des escaliers depuis que je suis quasiment tout petit. Bien sûr, c'est quelque chose qui se faisait même avant. Hein. J'ai remarqué, et ça sur quasiment tous les escaliers. Écoutez-le. Hein. Possibilité de monter et une fois que t'es en haut, de descendre. Mais même peut-être de changer d'avis au milieu. Hein. Là c'est crise d'épilepsie là. À la limite, même si tu sais quoi faire après ces 4 panneaux et ce stop, t'as derrière encore des interdictions. Hein. T'as mauvaise route. Une orange. Il y a au moins un ours après la voie ferrée. Ah, il y a un dérapage contrôlé et quelque chose. Là, je pense que les mecs qui avaient le véhicule qui permet de faire les lignes rentraient toirés. Bah, c'est Fast and Furious. Là, en fait, c'est Toretto qui a fait les bandes là. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est double ligne, je connais même pas. Là, ça veut dire on change les agents communaux. Impasse du muet, voie sans issue. Oh là là, encore du jeu de mots, mais du. Ouais, c'est du beau jeu de mots. Mais cette vidéo n'en finit pas. Est-ce que des fois, tu crois que les mairies se permettent une petite blague? Ça, non. Tu crois que c'est involontaire? J'espère qu'ils ont pas que ça à faire. Mais tu crois que le mec qui affiche ça, il se rend pas compte du truc? D'abord, il y a eu l'impasse du muet pendant, ça se trouve, 100 ans. Et à un moment donné, on a dû dire que c'est une voie sans issue. No tennis. Le gouvernement nous teste en fait. Tu viens faire quoi? Bah, tu fais du tennis en chaussures. Ou un mauvais squash sans mur. Un 100 mètres dans les couloirs. Et tu rebrousses chemin comme on dit dans le jargon. Non, mais ça, c'est un fake, c'est pas possible. Bah oui, good luck. Good luck. Mais non. Là, honnêtement, là, tu ne sais pas quoi faire. Même si j'habite à gauche, je vais toujours tout droit. Tu rentres jamais chez toi. Comment tu veux? C'est un accident à chaque coin de roue. Et tu sais qu'à tout moment, t'as un mec qui peut venir à ta droite d'une autre route. Pour te percuter. Cimetière, le paradis. Ça, est-ce qu'on y croit, Benjamin? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire berner, là, Benjamin? Toi qui as un peu des skills en Photoshop, là-dessus, on est sur quoi? Alors, moi, j'arrive juste à enlever les boutons. Mais moi, j'y crois. Des fois, t'as des lieux dits qui s'appellent le paradis. C'est ça, et à un moment donné, bon, y a un cimetière, et puis voilà, cimetière, le paradis. Ils vont pas marquer l'enfer. Non, ça donne moins envie. C'est moins commercial. Parking pour chien avec deux crochets pour les attacher. Ça se fait si on les abandonne pas, bien évidemment. C'est le même chien qui fume et qui fait du skate ou pas? Parce que lui, à mon avis, il se fait pas attacher. Bon, il a dit non au système. Ah bah oui, on comprend bien qu'il y a une petite barrière et que les gens, au lieu d'attendre, au lieu de payer, peut-être l'ont contourné. Ça se trouve, c'est les dessins, tu sais, des aliens quand ils viennent sur Terre. J'ai fait une vidéo là-dessus où en fait, on n'est pas tout seul dans l'univers. J'ai bien l'impression qu'on est en train de se foutre de nous. T'es pas tout seul, Benjamin. C'est vraiment une histoire de 3,50€ la journée. On se fera pas avoir, de toute façon. Tu te fais pas avoir. Enfin, si t'as pas envie de payer le parking, effectivement. Très bien, c'est quoi? En fait, c'est des voitures. Laisser des traces avec leurs roues. Mais oui, parce qu'il a neigé. Oui, oui. C'est des voitures qui ont laissé des traces dans la neige avec leurs roues. Mais oui. Oui, Pierre. Tu vois bien que même si t'as un message extraterrestre, ça voudrait rien dire. Allez, si tu veux. T'as vraiment fait une vidéo là-dessus? Ça a craqué. Ça a craqué parce qu'en fait, c'est pas du tout fait pour. C'est là qu'on voit qu'on est des humains. Mettez-vous sur deux filles, mais oui. C'est grossier. Intérêt de faire pipi dans une flaque qui est déjà là, apparemment. Donc, ou alors quelqu'un qui fait quand même pipi depuis 16-17 minutes. Bah, il a dû poser pour le panneau quand même. Il se tient rien du tout. Enfin, je vais pas rentrer dans les techniques, mais il a les deux mains vraiment sur les hanches. Sur le repos. Un peu mal au lombaire quand même. Donc t'es filmé et ensuite ils le mettent sur YouTube. Là faut chercher pipi channel. Bah, alors moi j'ai des questions du coup, parce qu'en tant que connaisseur de YouTube, est-ce qu'il commercialise la vidéo? Il y a une petite pub avant le pipi. Est-ce qu'il tag un peu les gens quand même, histoire de leur faire gagner de la communauté? Ou les afficher? Et puis est-ce qu'il y a des vues surtout? Et peut-être qu'il y a plusieurs chaînes et des collabs. Moi j'aimerais faire une collab avec le mec qui a fait 1 million de pipi. Pipi channel? Effectivement. On va tomber sur des pipi challenge. Et on va regretter très très fort d'avoir cliqué. On va nulle part là. On est sur un dessin animé qui s'appelle Caca et pipi. Elle fait pipi sur mon lit. Ok, y a pas. Y a pas, désolé. Viens, route étroite. Quasiment une proposition sexuelle. Bon. Sortie de camion. Avec un cheval. Attention, y a beaucoup de rire dans cette vidéo. Hein. Ah bah là, on est sur l'hilarité globale. Cabinet médical, pharmacie, cimetière. Oula, oh le combo. Oh l'historique.
Oh, le gros c'est une frise chronologique. Aïe 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 aïe. Bon, au moins tout est à proximité. C'est facile quand t'habites derrière pour dire t'habites où ? Bah vraiment, j'habite juste avant la mort. Dès que tu vois quelqu'un qui boite un peu, suis-le. Il manque le pompe funèbre quand même. Pour bah, avoir le package global. Hein. Dans 50 mètres, tout ça t'as plus le droit. Interdiction de doubler une voiture noire, c'est toi-même. T'es une voiture rouge. Interdiction de mesurer plus de 3,50 m pour les gens qui font du basket notamment. Bien évidemment. Et de faire exploser les voitures. Un peu strict à mon goût. Un peu côté. Une dernière quand même. Une dernière parce qu'on pourrait passer des heures. Hein. Non. Non. La voie cyclable. Directement sur le poteau pour un petit soleil, comme on les appelle en vélo. Soleil qui en plus se finit mal parce que tu tombes forcément sur le poteau ensuite. Très dangereux au niveau de la nuque. Ou de la nuque. Faudra vraiment être malchanceux du coup pour atterrir. Attendez, ce qui peut être cool aussi, parce que ça c'est des panneaux certainement très connus sur internet, des choses qui ont tourné, on a analysé ça. Mais peut-être vous avez vous-même des panneaux dans votre ville, dans votre village, qui sont rigolos, des choses que vous avez remarquées sur la route. Peut-être bien vous sûr. Avez vu vous-même la dame blanche. C'est-à-dire qu'ils ont eu un accident, c'est sûr. Si vous voulez peut-être nous partager ça sur Twitter pour peut-être analyser vos panneaux. Tout à fait. Analyser vos panneaux. Ça se fait ? Ouais. Pourquoi vos signalisations ? Pas, hein. Ouais, ok. Du moment que ça tombe pas en rond-point. Stop, on. Ouais, d'accord. On s'arrête là. Oui, oh, comme ça. Parce que là, on arrive dans une voie sans issue. Il est vraiment très très fort. Ok, fin de vidéo. Allez voir la chaîne de Benjamin, elle est bien. Allez. Bon, ouais, c'est visible. Merci à tous. Super. Ciao.